Bon, Joël, ravi de t'accueillir. Tu étais, je crois, à Rome ce week-end. Il doit y avoir forcément quelques aficionados du rugby dans cette salle. Oui, alors du coup, le micro, hop, il est tout bon. Voilà, ça campe son personnage. Ravi de t'accueillir, je te disais, je suis fan de rugby, mais en plus, je sais qu'on a des points communs entre nos métiers. Tu n'es pas complètement déconnecté, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'univers de l'entreprise, parce que tu as sévi chez EDF, je crois, pendant quelques années. Donc tu connais non seulement l'énergicien, mais un petit peu aussi l'univers du client, de la relation. Et du coup, on est ravis vraiment de pouvoir t'accueillir, parce qu'on sait que tu as une parole qui est pour le moins discrète. Et donc, on est ravis vraiment de pouvoir recueillir ton témoignage sur ce métier de l'arbitrage. Il y a une petite vidéo qui permettra peut-être de transmettre à travers 2 3 minutes ce que peut être l'impression ou la pression d'ailleurs de ce que peut vivre un arbitre comme un acteur de la relation client d'une certaine manière. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus si tu veux l'amener. Non, ravi d'être parmi vous, ravi de vous faire venir dans mon domaine, dans mon milieu, le milieu du sport, différent du vôtre, mais content d'entendre ce que j'ai entendu ce matin, parce qu'on cherche tous à être différents, on cherche à se différencier, on cherche à être efficace. Et ça m'a replongé il y a quelques années, quand j'étais cadre commercial chez EDF, où j'ai beaucoup appris, où la boîte s'est transformée, complètement transformée, suite à des décisions politiques. Et puis, bon, c'était amusant de voir comme l'histoire se répète, ou en tout cas, de voir son évolution et de voir les pas en arrière, hein, voir les choix politiques qui sont faits, les conséquences, évidemment, que cela a. Donc, content d'être là, content d'entendre tout ce que j'ai entendu. Difficulté pour vous et nous d'être différents, parce qu'il y a une uniformisation de toutes les entreprises avec des modèles économiques similaires. Et dans le rugby, on n'y échappe pas. On avait des différents rugby suivant l'endroit dans lequel il était joué. Et puis, on se rend compte que la vidéo, tous ces matchs télévisés à travers le monde entier font qu'on trouve une uniformisation du jeu. On avait des spécifiques. Le jeu qu'on pratiquait à Bayonne était très différent de celui qui était à Paris ou à Clermont-Ferrand ou à Montpellier. Et aujourd'hui, c'est plus délicat. Donc, voilà. C'est intéressant d'observer, de faire les parallèles. Et parce que pour ceux qui seraient venus entre-temps, je l'ai dit 2 3 fois déjà depuis le début de la matinée, mais je vois, Joël est le patron de l'arbitrage au niveau monde pour le rugby, donc pour ce qui était autrefois l'IRB, je dis ça pour les anciens, donc pour aujourd'hui World Rugby. Et du coup, il y a effectivement ces questions d'harmonisation. Je crois qu'il y a une vidéo, est-ce que tu veux qu'on la mette maintenant pour. Voilà, cette vidéo, ce sont des images que vous connaissez, mais c'est bien de le voir, ça dure pas très longtemps, et j'avais trois petits mots à dire suite à cette vidéo. Si la régie veut bien nous. Ils ont changé, Pierre. Oui, vous venez d'assister à quelque chose d'absolument exceptionnel. Ce match sera un match exceptionnel parce que le AK a été exceptionnel depuis 20 ans que je suis dans le rugby et que je suis le rugby. Je n'ai jamais vu ça, Francis. Jamais. Et surtout, on a l'habitude de voir Ricogir. Et là, c'est Umanga qui l'a mené. Donc le capitaine, vous l'avez vu, il a fait mettre ses guerriers au sol, à genoux. Et regardez, regardez comment. Piri, Wipou, fait avec le. Vous avez compris, on va vous couper la tête. Et je pense qu'ils l'ont changé parce qu'ils ont senti, monsieur Joël Juge a dû aussi être étonné, ils ont senti que les Springboks sont très sûrs d'eux et que les Springboks viennent ici pour les châtier.
Et ça, ils peuvent pas l'accepter. Dunedin et la Nouvelle-Zélande ne leur pardonneraient pas. Vous avez vu comment ça sortait les tripes, ça a été gigantesque. Hein. Gigantesque. Alors, ce clip est un clip facile parce qu'il vous permet de venir me rejoindre dans ce milieu-là. Il est intéressant ce clip parce que, dans un premier temps, le haka, qu'est-ce que c'est le haka? Le haka, c'est un chant. Et les Maoris ont l'habitude de chanter, de faire cette danse pour implorer les dieux et demander la protection des dieux. Et si vous revenez 300 ans en arrière, les Maoris ont été envahis par les Blancs et les Blancs ont spolié leurs terres. Donc ils veulent être protégés. Et ce qui a été différent dans ce haka, c'est qu'à la fin, il y a ce geste qu'on n'avait jamais vu. C'est la première fois que ce haka est fait et j'étais là. Et j'ai été évidemment surpris. Et quand on est surpris, on est souvent déstabilisé. Et j'ai été évidemment déstabilisé. Et le premier quart d'heure a été extrêmement difficile. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Et parce que je n'étais plus dans le moment présent. Je réfléchissais aux conséquences de ce que j'avais vu. Et donc, c'était la finale. Hein, c'était la finale du Rugby Championship, donc de l'hémisphère sud, entre deux pays qui ne s'apprécient pas. Comme vous le savez, historiquement, il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, les Nozondés ont toujours eu un regard très, très dur sur les Sud-Africains, sur les Blancs. Et donc, j'ai compris que ce match dépassait le contexte sportif. Il y avait tout un environnement historique qui jouait. Et donc, cette déstabilisation, je m'en suis servi après. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que celui qui mène le haka, celui qui mène la danse, celui qui est en transe, c'est le capitaine. Et lui, c'est mon interlocuteur privilégié. C'est avec lui avec lequel je suis censé converser. Et j'ai très vite compris qu'il ne serait pas à même de le faire. Donc là, je me suis dit, ça va être compliqué. Ça l'a été. Eux-mêmes ont trouvé des parades à cela parce qu'en étant dans un état second, ils se retrouvent dans un état de transe, hein, de second. Évidemment, les premières 15 minutes ont été également difficiles pour eux. Donc, si vous les observez aujourd'hui, et vous allez voir, vous allez être, on va être imprégné du rugby, hein, parce que vous savez que la Coupe du Monde va commencer en France en septembre. Et le match d'ouverture, ce sera entre les All Blacks et les Français. Et vous allez voir, après cette danse traditionnelle, ils vont se réunir pour essayer de faire retomber la pression parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont totalement habités par ce fait-là. Donc voilà, je voulais simplement vous permettre de venir et de plonger dans le milieu du rugby. Dans ton monde. Ouais. Dans mon univers. Comme quoi, dans le rugby, on ne fait pas que boire la pression. Certaines fois, on la prend sur les épaules. Bien sûr. Effectivement. Justement, peut-être pour revenir sur le... Peut-être en version ballon coupe d'envoi. Alors, je ne vois pas les... Si vous voulez. Oui, exactement. Sur la manière peut-être de revenir sur ton métier, justement sur l'arbitrage finalement, quel est le rôle de l'arbitre par exemple? C'est le garant du jeu, c'est le garant de l'esprit, sans l'arbitre il ne peut pas y avoir de jeu, et on essaie d'inculquer cela dès tout petit, donc aux éducateurs également, même si la société change, et vous le savez tous, autour des stades, les gens sont devenus intolérants. J'appréhende énormément la Coupe du Monde. Hein. J'y viens avec beaucoup d'excitation, mais en même temps avec une certaine appréhension. Parce que celui qui va arbitrer l'équipe de France, hein, qui marche très bien aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas très intéressés par ce sport, il y a une attente considérable. Et si jamais il y avait un de mes arbitres au milieu d'une polémique avec l'équipe de France, ce sera compliqué. Et même si on dit souvent que c'est un sport de voyous joué par des gentlemen, il n'y a pas que des imbéciles, mais tous les imbéciles y sont. Donc, il faut faire attention. On doit faire attention à cela. Et j'y pense. Tu te rappelles que c'est filmé, hein? Pas tous les matins. Parce que des gaillards, tu vas t'en taper un paquet là. Non, mais il y a des gens. C'est là où on se différencie du foot, je trouve. C'est un sport complexe avec des lois complexes. On aimerait les simplifier. Ça, c'est une. Parce que dès qu'on a des choses simples, plus simples, on peut adhérer. Mais c'est évident que ouais, c'est un sport très intéressant quand même qui vous pousse à réfléchir sur les stratégies à mettre en place, sur la façon de communiquer, sur le savoir-être, savoir-faire, des mots que j'ai entendus et qui sont primordiaux. Ouais, parce que du coup il y a l'application de la règle et puis comme tu l'évoquais, la règle également s'applique de manière entre guillemets différente. Il y a l'esprit du jeu, donc il y a aussi cette capacité qui est donnée aux arbitres d'avoir leur propre interprétation. Si on fait référence à ce clip, à ce qui va se passer après, en tant qu'arbitre, si je mets un cadre de référence trop étroit, trop strict,
en tant que manager, avec mes équipes, etc. Et je l'ai eu fait. Si je mets un cadre de référence trop strict, et je vais engendrer de la frustration. Si j'engendre de la frustration, ça ne va pas du tout. Si je mets ce cadre de référence trop large, ça va être lâché en lit. Ça va être n'importe quoi. Donc c'est à moi de avoir le juste milieu, toujours pareil. C'est une façon de un certain doigté à avoir pour que les gens puissent s'exprimer et donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cadre bien précis. Et l'arbitre est là pour ça. Donc la cohérence, donc beaucoup de travail dans la compréhension de la règle, la vulgarisation à l'égard des... La différence avec le football, on a énormément d'échanges. Là, je m'en vais tout à l'heure à Dublin. En début de semaine, j'étais ici, mais j'étais en contact permanent avec tous les entraîneurs des équipes, parce que moi, les entraîneurs, ce sont mes clients. Ils sont rarement satisfaits, mes clients. Rarement. Mais évidemment, vous avez bien compris qu'ils ne voient qu'à travers un certain prisme, le leur. Et nous, on doit juger sur les deux côtés. Donc, ce qui est extrêmement difficile, extrêmement délicat, on doit faire attention aux deux. Mais voilà, c'est notre quotidien. Et ces échanges-là sont primordiaux parce que nous sommes dans des endroits gris, des zones grises. La règle est complexe, c'est pas toujours black and white. On aimerait que ce soit comme ça, y compris par tous, y compris vous, téléspectateurs. Malheureusement, non. Donc, il nous faut échanger en permanence pour vulgariser, démystifier ces zones grises pour éduquer, et c'est la raison pour laquelle en début de semaine j'étais dans les locaux de France Télévisions pour également informer les journalistes qui sont très éloignés de la règle, mais aussi pour informer leurs consultants qui eux sont plus spécialistes mais qui sont d'anciens joueurs souvent déconnectés avec ce qui se fait aujourd'hui parce qu'évidemment comme dans l'entreprise le rugby, le sport en général évolue très vite. Justement les contacts avec les clubs, il y a toujours la crainte pour les équipes. C'est toujours, en tout cas dans l'univers amateur, c'est de se dire, ou pro, j'ai été arbitré comme une petite équipe. Donc derrière, il y a cette question d'impartialité de l'arbitre. Justement, comment cette impartialité, elle se travaille de la part de l'arbitre et plus largement de l'institution que tu représentes ? De la part de l'arbitre, c'est le savoir-faire. Vous avez parlé de savoir-être également. Vous avez parlé d'empathie, de confiance. S'il n'y a pas cela, authenticité, véracité dans les propos, conviction très forte, crédibilité. Donc évidemment, ça se construit sur le long terme. On peut pas. Et chacun d'entre nous avons un background. Donc les gens sont clairement identifiés. On connaît leur parcours. On connaît leur motivation, ce qu'ils cherchent à créer. Donc c'est grâce à cela qu'on va arriver à tenir sur la durée. Je sais pas si j'ai bien compris. Ah si. Non. Mais je suis en train de refaire le film des matchs passés. Et parce qu'au niveau du sport, on voit qu'il y a la pression qui est clairement celle du terrain. Comment elle se gère justement avec les joueurs? Parce que là, pour le coup, on évoquait cette question de la relation à hauteur d'homme. Là, un Tana Mbaga, tu l'as dans les yeux. Un Wipu, tu l'as dans les yeux. Comment ça se gère justement cette distance? On prête notamment au rugby une certaine courtoisie, voire une courtoisie certaine. Ça va passer par le vouvoiement. Il y a aussi le fait que les échanges sont filmés. Alors, il y a probablement des effets de bord qui sont négatifs. Comment l'arbitre se... Donc, ces échanges sont permanents, sont indispensables. On demande d'avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe pour pouvoir être alerté, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout voir. Ce que j'aime dans ce métier ou dans cette activité d'arbitre, c'est que l'activité d'arbitre elle-même, elle n'est pas forcément très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour. Et lorsque vous êtes arbitre, si vous ne faites pas appel, si vous ne travaillez pas avec des psychologues, sophrologues, avec des gens comme ça pour prendre la distance nécessaire, pour essayer de maîtriser vos erreurs, parce que là, le désavantage que nous avons, lorsqu'on est au milieu de 50, 60 ou 80 000 personnes, vous avez des grands écrans géants et vos fautes, vous les voyez en direct. Et ça, arriver à évacuer des fautes pour continuer à diriger correctement, pour continuer à communiquer régulièrement et avec précision, ça, c'est un vrai travail de fond que vous ne pouvez pas avoir de manière innée comme ça. Donc c'est extrêmement délicat, extrêmement difficile, mais c'est un travail au quotidien. Justement, la pression, donc la pression du terrain, mais il y a aussi la pression des tribunes. Il y a aussi ce qui se passe en dehors des tribunes. Ça va être le cas aussi dans nos entreprises où la gestion de l'irréputation. Un match s'est déroulé il n'y a pas très longtemps où notamment on a des arbitres qui ont pu être pris à partie. Comment ça se gère cette mise à distance de la pression de... C'est très délicat, très difficile. Dans mon métier, je fais souvent appel à d'autres personnes, puisque je dis souvent à mes arbitres, là, c'est plus le domaine de ma compétence. Il faut aller voir d'autres personnes qui vont t'amener ce soutien dont tu as besoin. Nous avons des dérives dans notre sport, même si certaines valeurs sont toujours là. Le respect de l'arbitre est évident. Je n'ai jamais, jamais été insulté sur un terrain de rugby. Jamais.
Donc, ça, c'est quand même très important. Je parle par les joueurs. Hein. Parce que j'ai l'air des joueurs. Par les joueurs, ouais. L'environnement. Non, non, parce qu'il y a un mythe sur le rugby où le public est... Non, 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 le public... Bon, le public... Toi, bon, il l'a été peut-être il y a longtemps, mais... Ouais, le public est le même partout, ouais. Bon, ça, c'est sûr. L'avantage que j'ai eu, c'est que je ne suis pas resté trop longtemps sur le niveau amateur. Je suis allé très vite sur le niveau professionnel. Et au niveau professionnel, vous entendez un mécontentement, pas de souci. Mais rien n'est ciblé. Vous n'êtes pas atteint dans votre intégrité morale. Vous voyez, vous sentez qu'il y a un mécontentement, mais peut-être que vous pensez que ce n'est pas pour vous. Ça ne vous est pas destiné. Mais sur des terrains, évidemment, où il y a 100 personnes, 150, 200 personnes, 300 personnes, c'est compliqué. Et oui, c'est un vrai échange pour nous tous. La question était ? Non, justement, sur la manière dont on peut gérer la pression du public, dont on peut gérer effectivement les réseaux sociaux ou certaines... Non, alors après, la gestion du public, lorsqu'on est à ce niveau, on la gère assez aisément. Même si, des arbitres expérimentés ont été récemment déstabilisés par ce qui s'est passé dans le stade, par des sifflets très puissants et avec une certaine durée. Après, la difficulté que nous avons, c'est lorsque nous avons des gens de sérail, les gens du rugby, les gens de la famille rugby qui trahissent, et le mot n'est pas trop fort, les valeurs du rugby. À savoir que lorsque vous communiquez, nous avons un canal de communication qui est extrêmement précis, extrêmement clair, admis, connu, transparent pour tous. Et lorsque les gens, vous avez parlé de KPIs, c'est très intéressant parce qu'évidemment, nous, on a des entraîneurs qui sont mes clients, sont très très bien rémunérés, et leur volonté première, c'est de garder cet emploi. Donc ils vont chercher par tous les moyens, de justifier une défaite. Et pour justifier une défaite, vous êtes obligé, vous avez mon commissaire. L'arbitre est souvent la cause de cette défaite. Donc, tu préfères un effort. Hein. Comment ? Je dis en rigolant, tu préfères un effort. Voilà. Donc, si ces entraîneurs-là restent dans le canal de communication établi, ça ne pose pas de problème. On lave notre linge sale en famille. On a l'habitude de faire ça. Et c'est très bien. Aujourd'hui, on a des gens du rugby qui passent par les réseaux sociaux. Et là, c'est plus pareil. Donc, et sur le dernier stage que nous avons fait à Londres il y a une semaine, avec mes arbitres et avec le département juridique, nous sommes en train, parce que la Coupe du Monde approche, de mettre en place des règles, un framework qui nous permettra de nous protéger. Parce que lorsque les entraîneurs vont sur les réseaux sociaux, sont sarcastiques ou sont désobligeants, ils ouvrent la porte sur tous les autres imbéciles dont on parlait et qui vont s'engouffrer. Et qui vont évidemment aller sur les réseaux sociaux, qui vont rentrer dans les comptes privés des arbitres. Et mes arbitres sont ambigus, parce que mes arbitres, on a beau les avertir, on a beau leur dire « n'allez pas sur les réseaux sociaux », c'est comme si nous disions à nos enfants « n'allez pas sur les réseaux sociaux », ben ils vont y aller. Donc il faut leur dire d'y aller. C'est un peu le syndrome de Stockholm, vous savez, vous avez vos bourreaux, ils y sont, et vous y allez. Donc ça, c'est extrêmement délicat. Et en même temps, ils veulent être protégés. Ils veulent que l'institution World Rugby les protège. Et là, nous sommes assez impuissants sur ça. Alors, on est en train de discuter tous ensemble, de voir comment on peut agir. Mais c'est un vrai challenge. Puis après, l'autre challenge, c'est les médias, c'est la communication, c'est tout ce qu'on reçoit qui est... Souvent, il y a une part de vérité. Puis après, il y a beaucoup de choses déformées. L'information va devenir un enjeu capital. Trier le faux du vrai, vous le voyez à travers les conflits que nous avons sur la planète. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça va être un vrai challenge pour nous-mêmes. Donc apprentissage, vulgarisation, notamment des médias pour... Oui, bien sûr. Joël n'est pas petit. Une question. L'univers du rugby, on le voit souvent comme une famille, une camaraderie, on parle de valeurs, un esprit d'équipe, voilà, pour qui a joué ou un peu côtoyé cet univers, on voit à quoi ça fait allusion. L'arbitre, justement, qui est à la fois indispensable au jeu, pour son bon déroulement, l'intégrité des physiques, du physique notamment des joueurs, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de solitude? Et si c'est le cas, comment... L'arbitre, justement, rompt un peu cette... Non, pas de solitude. Non, pas de solitude du tout. Non, non, ça a été vrai à une époque. Aujourd'hui, ça n'est plus. Parce que d'abord, les staffs sont très étoffés. Ils partent à 5-6. Donc après, on a beaucoup de connexions avec les entraîneurs, les joueurs. Donc dès qu'on arrive, on est accueilli. Nous avons des repas d'après-match qui restent une tradition et qui sont toujours là. Donc on n'est pas isolé. Avec les joueurs. Avec les joueurs, avec les entraîneurs. Donc
ça reste très convivial et c'est très intéressant. Ouais, j'ai évoqué cette notion d'intégrité des joueurs. Pour nous, acteurs de la relation client, la nécessité de sensibiliser nos marques, nos organisations à l'évolution des attentes des clients, des risques. Dans l'univers du rugby notamment, on a malheureusement des incidents qui ont pu se passer, tragiques pour certains au niveau du corporel. Comment justement l'arbitrage, le corps arbitral peut-être faire évoluer ou travaille à faire évoluer à la protection notamment des... On a des fondamentaux communs entre l'entreprise. Je regardais les fondamentaux du groupe Elior sur l'intransigeance de la sécurité alimentaire, je crois, quelque chose comme ça. Nous sommes intransigeants sur la sécurité des joueurs. C'est non négociable. Ouais. C'est non négociable et pourtant, c'est mis à mal. C'est mis à mal parce qu'on a parlé de culture. Et donc, vous avez compris que je travaille, donc je suis responsable des deux hémisphères, hémisphère nord et hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, leur principe numéro un, c'est le spectacle. Donc, pourquoi le spectacle? Parce qu'ils perdent énormément d'abonnés, ils perdent énormément de spectateurs qui sont attirés par d'autres sports. Et donc, il faut du spectacle, de la controverse, etc. Et nous en Europe, c'est évidemment la sécurité des joueurs, parce qu'on a eu des accidents importants, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici, et si vous voulez envoyer vos enfants dans les écoles de rugby, il faut que vraiment ce soit safe. Si ce n'est pas safe, si on ne vous a pas montré qu'on est capable de sécuriser tout ce qu'on fait, ben évidemment, vous n'allez pas les envoyer. Donc, pour nous, ça, c'est très intéressant de travailler sur tous ces leviers-là. Et comment on arrive justement à faire, au niveau de l'IRB, de World Rugby, de réussir à travailler, à sécuriser les... Par le règlement, par des politiques qui sont affirmées, qui sont partagées, qui sont discutées, challengées. Par exemple, quelque chose de très simple, l'hémisphère sud n'accepte pas que vous ayez payé votre billet d'entrée au stade. Vous allez voir le match d'ouverture de la Coupe du Monde entre la France et la Nouvelle-Zélande. Il n'accepte absolument pas qu'une équipe joue à 15 contre 14. Vous, spectateurs, vous avez payé, vous êtes devant votre écran, vous êtes au stade. Si on veut de l'équité sur la rencontre, il faut qu'on joue à 15 contre 15. Donc, ils sont prêts à fermer les yeux sur un jeu déloyal criard, ou d'exclure le joueur pendant 20 minutes, mais après, il va re-rentrer pour préserver l'intégrité du match. Dans le Nord, on a une approche assez différente, et je crois que c'est admis par tous et par toutes, même si c'est difficile, même si, évidemment, ça va déstabiliser le match, mais c'est la responsabilité d'être mise sur les épaules du joueur et non celle de l'arbitre. Deux petites questions avant qu'on amorce quelques échanges avec la salle. Tout à l'heure, on évoquait l'arbitrage, on peut faire des erreurs. On peut aussi faire des erreurs sur des matchs qui peuvent avoir une certaine importance, voire une importance certaine. Comment on revient justement sur le terrain? Comment on arrive à purger quelque part C'est le travail avec des gens qui sont autour de vous. C'est la façon dont vous communiquez. Moi, par exemple, si j'avais conscience de mes erreurs, le fait de dire immédiatement aux joueurs « excusez-moi, je me suis trompé » me permettait de continuer. D'accord. Si je voulais fermer les yeux, j'avais toujours ce doute en tête et j'étais parasité, pollué par ce que j'avais fait 10 minutes auparavant ou 5 minutes auparavant. Donc, chacun a ses petites astuces pour essayer de rester dans le match et de rebondir. Ou alors, lorsque vous avez été durement secoué, c'est arrivé à certains de mes arbitres, il faut laisser le temps. Il faut laisser du temps. Certains arbitres qui sont à la Coupe du Monde n'arbitrent plus des équipes depuis 2 ans, ils ne les arbitrent plus. Parce que le dialogue ne passe plus, parce que rien que de voir leur visage, ça pose un problème. Donc il faut laisser du temps, il faut faire un turnover, il faut mettre d'autres interlocuteurs et les choses vont se mettre en place tout doucement. Okay. Alors, peut-être on a commencé avec un match qui est un match d'exception, parce qu'effectivement, comme tu dis, je crois que la première fois que on voyait le AK au Pongo à la télé, je crois que c'est peut-être le AK le plus vu au monde. Oui. Que tu couronnes merveilleusement. Je ne sais pas si c'est ton jour de fête, mais du coup, quel est... Je ne vais pas dire à contrario, mais ta plus grosse fierté ou ton meilleur souvenir ou récent dans ton métier d'arbitre? Il y a des matchs, évidemment, mon premier Six Nations, un quart de finale de Coupe du Monde. Évidemment, c'est marquant, mais
mais on peut se réaliser dans différents, différents domaines. Je me suis régalé sur le terrain. J'étais joueur, arbitre, je me suis régalé en tant que joueur. J'étais éducateur, donc j'étais vraiment engagé, tout le temps engagé. Et puis après, dès que j'ai eu une blessure, si je n'avais pas eu de blessure, jamais je serais venu à l'arbitrage. Je ne suis pas un amoureux de l'arbitrage, je suis un amoureux du jeu, je suis un amoureux du rugby, mais pas de l'arbitrage. Donc, mais après, évidemment, j'ai gagné une expertise dans l'arbitrage. Mais et la question était non sur les fiertés, mais je crois que tu en as cité déjà. Non, en tant que manager, je trouve que de donner confiance à un groupe, donner confiance à vos équipes, donner confiance à lorsque vous êtes en haut, essayer d'atténuer cette sérénité, cette satisfaction. Dans le monde de l'arbitrage, on a quand même beaucoup d'autosatisfaction. On est quand même assez content de nos performances générales. Donc là, le rôle du manager, il faut quand même essayer de remettre les choses à leur place. Et lorsque vous êtes au fond, je crois que le rôle du manager, c'est d'essayer de sortir votre arbitre du fond et retravailler concrètement avec lui, regagner cette confiance, faire très attention au match, aux désignations que vous lui donnez. Il y a des désignations qui sont pièges. Et là, au contraire, il faut toujours le mettre dans un contexte favorable. Voilà, faire attention à tout ça. Et je trouve que de manager, c'est aussi prendre beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Joël. Merci. Avec plaisir. Du coup, on a le temps de... Voilà, il y a des questions. Hop, ils sont côte à côte. Là, on a eu une flopée de questions. Ça, c'est la courtoisie du rugby. Donc, Jean-Robert qui joue encore. Ah, puisque je crois que tu joues en honneur, non d'ailleurs. Avec des vieux, voilà. Merci Pascal Monnier, merci pour avoir vulgarisé, j'allais dire démêlé votre univers. Merci Marie-Louis. Ce qui m'a frappé aussi, c'est quand même le travail de l'abnégation, le travail en chambre, de tout le travail que vous faites en termes de formation et d'acculturation. Il y a une parole qui m'a frappé de votre part aussi tout à l'heure, en dehors de tous les imbéciles sont pas présents, mais ils sont là, mais ils sont. Je te laisse ramer là. Voilà, je vais ramer. Mais j'ai bien aimé. Non, je ils ne le sont rappeler. Pas tous, mais tous y sont. Exactement, merci. Et c'est valable pour la salle, non. C'était cool. Donc il y avait l'idée aussi que il y avait ma question était autour plus sérieusement de comment au travail en chambre on valorise et on fait reconnaître ce métier de rugby. Il y a quelque chose qui m'a frappé de votre part, c'est-à-dire les consultants en télé, par exemple, il n'y a pas d'anciens joueurs. Enfin, avec des anciens joueurs, il n'y a pas d'anciens arbitres ou arbitres actuels. Est-ce que ce n'est pas une piste intéressante à cultiver ou en tout cas à prendre ? Bien sûr, mais pour l'instant, ils mettent leur budget sur d'autres cibles, comme les anciens joueurs notamment. Moi, j'étais sollicité, mais que j'étais en activité, donc je ne peux pas, y répondre favorablement. Mais c'est une piste à explorer, bien sûr. Parce qu'on doit éduquer, on doit vulgariser, c'est trop compliqué. Et lorsqu'on ne comprend pas, évidemment, on raconte des bêtises. Et lorsqu'on est ignorant, on le sait tous, hein, lorsqu'on n'est pas informé, on n'est pas lucide, on n'est pas précis dans ce qu'on dit, et on dit des bêtises. Et bonne idée, c'est qu'il y aurait une parole qui serait entendue par énormément de monde. Quoi. C'est juste, en tout cas, je trouvais que c'était une piste extrêmement... On a, au niveau international, nous utilisons et nous allons utiliser quelqu'un que certains d'entre vous, en tout cas les initiés du rugby connaissent, c'est Nigel Wentz. À travers The Whistle Watch, une entreprise commerciale qui utilise ses services et on utilise sa voix parce qu'il a de l'aura, parce qu'il est en collaboration avec nous et on utilise sa voix pour essayer de porter nos décisions. Parce que c'est un vrai débat par rapport à la Coupe du Monde également, vous voyez. On va avoir des erreurs. Doit-on communiquer ? Est-ce que je dois communiquer ? Est-ce que je dois justifier toutes les erreurs ? Est-ce que je dois venir souvent devant les médias ? Est-ce que je ne vais pas m'y perdre ? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'erreurs ? Et puis quel type d'erreurs ? Est-ce que si l'arbitre est mauvais durant tout le match, est-ce que je dois tout commenter ? Est-ce qu'il est très bon, mais une seule décision tourne le match ? Donc, juste pour vous dire la pression qu'il y a en ce moment, on est à 6 mois de la Coupe du Monde, 20 équipes qui vont être concernées, 3 entraîneurs ont été licenciés. Donc c'est une vraie pression. La pression pour mes arbitres, lorsque je ne les sélectionne plus, ils doivent revenir dans la vie active. Si je ne les sélectionne plus, je suis en confrontation avec leur fédération. Si je ne les sélectionne plus, je peux aller au prud'homme. Parce que quels étaient les indicateurs de performance que j'avais mis en place ? Est-ce qu'ils étaient bien clairs ? Est-ce qu'ils étaient clairement définis ?
Est-ce que le fait de plus sectionner est justifié? Le fait qu'il... Moi, quand je travaillais chez EDF, j'avais 4 ans pour me décider de réintégrer la boîte ou de la quitter définitivement. Au bout de 4 ans, j'ai quitté définitivement. Certains, aux impôts, peuvent partir 20 ans et revenir 20 ans après. D'autres, non. Au bout de 2 ans, sont obligés de quitter l'entreprise. Donc, lorsque vous vous retrouvez à 40, 45 ans, 46 ans, sur le marché du travail, on ne vous attend pas. Personne ne vous attend. Quel que soit votre background, on ne vous attend pas. Alors oui, vous avez une certaine expérience. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Comment faire avec les seniors? Est-ce qu'on peut les garder dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Il y a une vraie valeur ajoutée, mais est-ce que les entreprises sont prêtes à les garder? Est-ce que l'État est capable de mettre pression sur l'entreprise? Ce sont vraiment des débats d'aujourd'hui. Et c'est un vrai défi pour nous, managers. C'est des vraies responsabilités sur la communication, sur la façon dont je dirige le groupe, mes équipes, etc. Merci Joël. Question de Jean-Robert. Oui, bonjour. Je voulais faire le parallèle entre l'arbitrage et le management des hommes dans nos équipes, quelles qu'elles soient, en relation client ou autre. On essaie de faire fi de deux choses, éventuellement les appétences personnelles. Il y a des gens que je préfère que d'autres, c'est comme ça. Peut-être un arbitre, il y a des équipes qui préfèrent que d'autres, c'est comme ça, quelle que soit sa nationalité. Et puis la deuxième chose, c'est la pression extérieure. Alors je me rappelle par exemple qu'il y avait un arbitre, je crois, irlandais, il y a quelques années, dont la mère était française. Quand il arbitrait France-Angleterre, bon, forcément, il était contre l'Angleterre, tout le monde est contre l'Angleterre, mais comment est-ce qu'il faisait pour ne pas être pour la France? Donc comment il faisait fi finalement de ses appétences éventuellement personnelles liées à sa descendance? Et comment il fait fi aussi de la pression extérieure qui peut être celle dans une entreprise, des collègues, de l'équipe elle-même, etc. Comment vous arrivez à faire fi de ces deux choses-là, pour rester juste? C'est comme si un arbitre, par exemple, patron d'un arbitrage d'une Coupe du Monde était français. Ouais, je comprends bien. Non, question, comme dit Cécile, question très intéressante. L'appétence, si je me place du côté des équipes, c'est très simple. Si je vous arbitre souvent, vous, votre équipe, et vous gagnez souvent, vous allez m'aimer. C'est souvent le cas. Par contre, si je vous arbitre et que vous perdez souvent, vous allez me détester. Et je me souviens, quand j'arbitrais, moi, il y avait un club qui me détestait. Et c'est vrai que j'étais pas chanceux avec eux. C'était Perpignan, les Catalans. Et... Des durs, des très durs, avec des mots châtiés, des mots chez eux, dits élégants. Donc, évidemment, eux me détestaient, et je pouvais comprendre, parce que parfois, à tort, ils me détestaient à tort, parce que je trouvais que j'arbitrais bien, mais parfois, j'ai vraiment mal arbitré. Ou alors, toutes les erreurs étaient commises contre la même équipe. Et ça, c'est terrible. Lorsque vous faites 400 km, vous revenez chez vous, vous êtes fatigué, épuisé, mais vous avez évidemment des choses qui vous reviennent. Vous mettez la cassette, à l'époque c'était des cassettes ou des CD, vous mettez la CD et là vous regardez, vous constatez une erreur, deux erreurs, trois erreurs, quatre erreurs, toujours contre la même équipe. Et c'est de l'inconscient. C'est de l'inconscient. Qu'est-ce qui avait joué? Est-ce que j'avais lu un commentaire qui m'avait désobligeant et qui m'avait amené à penser d'une telle manière, à agir, à approcher cette équipe d'une certaine manière ou pas? Peut-être. Peut-être. Je me souviens d'un entraîneur, célèbre entraîneur, qui était venu me voir sur un match contre le Stade français. C'était la première fois que le Stade français jouait en rose. Et vous savez, dans le milieu du rugby, on a eu un gars qui a complètement changé l'image du rugby. C'était Max Guazzini, un gars qui était patron de la radio Énergie, qui ne venait pas du tout de ce milieu-là, milieu impresario de Dalida, pour ceux les plus anciens qui connaissent Dalida. Et pénaliste. Oui, pénaliste, absolument. Et lui, il a changé complètement les choses. Et donc, ils arrivent à Perpignan. Perpignan, vous voyez, terre dure, etc. De tradition. On ne joue pas en rose, rugby. On joue pas en rose. Ils ont joué en rose, c'est moi qui arbitre le match. Ils gagnent 2 points. Les Parisiens gagnent 2 points. Et cet entraîneur tape à la porte et me dit, Joël, globalement, ça va, mais j'ai l'impression que dès qu'on met le nez au bout de la fenêtre, dès qu'on sort le nez, tu ne nous manques pas. Et c'est vrai que quelques années après, j'avais revu le match. Et c'est vrai que j'avais été dur avec eux. Donc, l'appétence, ça dépend si les équipes ont gagné ou pas. Des fois, on est chanceux, des fois, on n'est pas chanceux. Ce dont je suis sûr, c'est que mes arbitres rentrent en étant impartiaux. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Après, l'événement du match, les erreurs qu'ils ont pu commettre, leur capacité ou non d'évacuer cette erreur pendant le match, tout peut se passer. Et c'est qui est difficile. La deuxième question, le deuxième point, c'était sur... Sur la pression extérieure, je peux juste donner un cas. En 2011, l'arbitre doit siffler contre les Blacks ou pas, les pénalités? Voilà.
En 2011, pour ceux qui n'étaient pas là, ou qui en tout cas ne suivaient pas les choses du rugby, l'équipe de France, donc, on a la Coupe du Monde en 2011 en Nouvelle-Zélande. Et moi, je suis consultant avec l'équipe de France. Ça fait 4 ans que je travaille avec eux. On est en 2011, la France va en finale. La France est catastrophique pendant tout le tournoi. On joue très mal, mais on arrive en finale. Donc parfois, il y a des choses comme ça, c'est extraordinaire. Et donc, 3 jours avant la finale, c'est écrit dans des livres qu'on peut écrire du Sautoir et Marc Livremont, l'entraîneur à l'époque, on va voir Greg Joubert, l'arbitre de cette finale, qui est sud-africain, et qui est aujourd'hui mon bras droit. C'est celui en lequel j'ai le plus confiance dans l'équipe avec laquelle je travaille. On va le voir et je fais un montage vidéo. Marc parle pas anglais. Et donc, je fais un montage en lui montrant qu'il y avait eu une demi-finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il avait managé les Néo-Zélandais et il avait arbitré les Australiens. Ça veut dire quoi, manager et arbitrer? Manager, ça veut dire que je vais prendre des décisions qui sont neutres. Je ne m'engage pas. On a parlé d'engagement, mais là, je ne m'engage pas. Je suis politique, je suis le politiquement correct. Je reste neutre. Donc, plutôt que de mettre une sanction, je vais mettre une mêlée. Et par contre, les Australiens, ils les avaient, à chaque fois qu'il y avait, comme me disait l'ancien entraîneur, une petite erreur, un petit quelque chose comme ça, boum, c'était une sanction. Et je voulais lui mettre ça en évidence. Donc, et je voulais lui dire, connaissant l'histoire interne qu'il y avait dans le groupe, un gros conflit entre les joueurs et l'entraîneur. Et d'ailleurs, on était partis pour pêcher le poisson au gros au large de Auckland. Et Marc Livremont, qui était en conflit ouvert avec ses joueurs, avait dit, mais c'était un management par la détestation. S'ils peuvent me haïr, et si on peut être champion du monde parce qu'ils vont me haïr, à tel point qu'ils vont avoir une telle rage, on va les gagner, parce qu'ils sont largement plus forts que nous, on a peut-être une chance d'être champion du monde. Et moi, connaissant ça, voyant la façon dont les joueurs s'étaient comportés, ils étaient dans de l'autogestion, et je suis allé voir Greg Joubert, avec Marc Livremont, et je lui ai dit, écoute, tu as un environnement qui est défavorable à l'équipe de France, le jeu qu'elle a pratiqué était négatif, mais on a une chance de gagner, Greg. Mais je ne pouvais pas lui dire qu'il y avait une rébellion totale. Et nous, on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on est en révolution, lorsqu'on est un peuple révolutionnaire. L'histoire nous le montre. On aime aller dans la rue, on aime manifester, on aime... La preuve, le client est roi, moi. Oui, je sais... Même si j'ai entendu de belles choses, je ne sais plus si le client est roi. Non, mais c'est une grosse boutade, parce qu'en France, je crois que l'histoire, c'est mal fini. C'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'on est révolutionnaire. On a coupé la tête des rois. Des reines. Donc, on est toujours dedans. Et donc, j'avais dit à Greg Joubert, j'avais dit ça, il avait refusé de voir mon montage, il avait le droit, il avait bien fait, parce qu'il voulait se préserver avant le match. Ce sont les us et coutumes, ça. Mais par contre, il était tombé dans le panneau, il a été pris dans l'environnement qu'il y avait, comme en 1995, lorsque c'était la fin de l'apartheid et que l'Afrique du Sud a été championne du monde. C'est un peu la même chose. La politique, l'économie rentre dans le milieu du sport. On ne peut pas y échapper. Et voilà. Mais ça peut effectivement arriver. Et en l'occurrence, en 2011, c'était arrivé. Il a été pris dans l'environnement politique du pays. Merci beaucoup, Joël. Éventuellement, c'est une dernière... Il y a une question. Et puis, promis, si Max vient, il y a une question au premier rang, s'il vous plaît. Si un micro. Si Max vient, parce qu'il se trouve qu'on a eu un échange il y a 4 ans, parce que pour moi, c'est quand même l'initiateur de l'expérience client absolue, le rugby qui était quand même le truc tradition très noir et blanc. Et en fait, ça n'avait plus sert parce qu'il avait un match à Basse, l'invitation du parc. Voilà. D'accord. Mais du coup, s'il vient. D'accord. Une dernière question, pardon. Oui, je ne connais strictement rien au rugby et j'ai découvert la vidéo que vous avez projetée tout à l'heure. Je voudrais savoir, vous avez évoqué 15 minutes de déstabilisation. Comment vous les avez gérées? Comment ça s'est passé? Et je ne connais pas non plus l'issue du match, mais comment vous avez fait? Je ne l'ai pas géré. J'étais pas dans le moment présent. Lorsque vous n'êtes pas dans le moment présent, lorsque vous êtes en train de réfléchir à ce que vous faites, lorsque vous réfléchissez encore à ce que vous avez vu, ben évidemment, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Donc, au bout de 15 minutes, ça a duré bien 15 minutes, j'ai pu me reconcentrer sur phase après phase. J'ai pu oublier ce qui s'était passé et je suis rentré dans le match plutôt bien. Mais les 15 minutes qui ont été là, je voyais que je n'étais pas dedans. Je voyais que j'étais déstabilisé. Et comme je ne l'avais vraiment jamais vu, comme c'était un match qui était très important pour eux, mais pour moi aussi,
c'était un des plus grands matchs que j'ai pu arbitrer. Et je savais que je jouais ma carrière également. Donc j'étais dans la réflexion. J'étais dans la réflexion de ma carrière, la gestion de ma carrière, mais comment dire mes évaluateurs, parce qu'on est évalué, on est évalué sur toutes les décisions qu'on prend, et on est évalué sur toutes les non-décisions que l'on prend. Et tout est fait de manière très cartésienne, il n'y a rien de subjectif. C'est comme quand un arbitre va mettre un carton rouge, vous avez un arbre décisionnel, ce n'est pas sa décision. La décision de Marie-Louise, de Joël Juge, on s'en moque. C'est quel est le process appliqué. Et on est rempli de process. Même chez nous, dans le sport, on a énormément de process. Et donc, les gens pensent que l'arbitre, c'est sa décision. Non, il est comme ça. Et moi, ce jour-là, j'étais... Là, je n'appliquais aucun process, parce que je n'étais pas dedans. J'arbitrais de manière empirique, complètement désordonnée, complètement sans aucun fil conducteur. Il n'y avait pas de fil conducteur dans ce que je faisais. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé dans mon match, je me suis retrouvé sur des phases de jeu, sur des repères que j'avais, sur je me suis remémoré très rapidement, c'est des choses qui arrivent très rapidement, ça. Sur le travail, parce que pendant 10 ans, j'ai travaillé avec un psychologue, sophrologue, parce que je voulais arbitrer une finale de Coupe du Monde, donc je voulais me donner les meilleurs moyens pour être performant et pour maîtriser tous les détails de la performance. C'est pas simplement siffler ou connaître la règle, mais c'est maîtriser tout ça. Et donc, petit à petit, j'ai mis tout ça bout à bout et je suis arrivé à faire un match décent. Mais je dis décent simplement, c'était pas une très bonne performance parce que manquer les 15 premières minutes où j'ai manqué des points, des décisions importantes, font que ce n'était pas une performance qui était quand même extrêmement aboutie. Excusez-moi, question complémentaire, vous avez parlé tout à l'heure, des fois vous décidez de manager ou d'arbitrer. Est-ce que dans ce cas précis, est-ce que vous êtes allé parler à l'équipe néo-zélandaise? Est-ce que ça vous arrive de le faire pour vous déstresser? Alors, moi, je n'arbitre plus maintenant. Maintenant, je dirige, je manage. Donc, en l'occurrence, je n'avais pas consulté, je n'avais pas discuté. Mon anglais était moins affiné également, donc moins de confiance. Et lorsque vous n'êtes pas en confiance sur la façon dont vous allez communiquer, vous savez très bien comment c'est. Déjà en français, lorsqu'on est devant tout le monde, c'est pas simple. Mais lorsque vous êtes en anglais, au départ, si vous voulez bien apprendre, c'est ce que j'essayais de dire à mes enfants, au tout départ en tout cas, il faut parler. Si tu cherches à mettre un sujet, un verbe, un complément, ça va être compliqué. Parle, et puis ça va venir. Donc évidemment, l'anglais est devenu bien meilleur, et aujourd'hui on peut s'exprimer très facilement. Mais en l'occurrence, comme j'étais dépassé, comme je ne gérais plus rien du tout, je n'avais pas communiqué, je me suis retrouvé sur ma façon d'être, et c'est tout. Et aujourd'hui, en tant que manager, évidemment, de communiquer, on n'a pas le choix que de communiquer. On peut pas rester, on peut avoir un conflit. Quand j'étais arbitre, c'était ma façon de faire. Je vais faire tout ce que je peux pour repousser le plus longtemps possible le conflit. C'est mon rôle, c'est mon devoir. Si j'estime au bout d'un moment, d'un certain temps, que j'ai fait tout ce que je pouvais et que j'avais affaire en face à moi un abruti, au niveau, il y en a très peu. Je vous assure que c'est ce que je dis à mes arbitres. Au haut niveau, ils ne sont pas abrutis. C'est des gens intelligents et ils sont des relais pour nous. Et si il y a certains matchs où ce genre de joueurs sont allés voir l'arbitre en lui disant « Wayne, Joël, regarde ça, parce que là, il y a une erreur. » Pour nous, ces gens-là ont de la crédibilité. Ils ont une telle crédibilité que même si ce n'est pas dans le protocole, je vous garantis que mon arbitre il va faire un appel vidéo pour contrôler ce qui s'est passé ou pas. Parce qu'on a besoin d'avoir ce rapport de proximité, de véracité, de confiance avec des gens. Et dans le rugby de très haut niveau, on l'a. On l'a. Now, I think we've got last question from the monsieur in the first round. Je vais la faire en français, c'est deux questions. Est-ce que les Français feront moins de fautes que contre l'Italie ce week-end? Et quel est le pronostic de Irlande-France? Voilà. Alors, là-dessus, moi je dis c'est le feu, il y a une vraie question. Là, je pense que Joël, tu as envie de survivre à ton week-end. Non, on est d'accord. Éventuellement, je t'orienterai peut-être plus vers la question de qui gagnera la Coupe du Monde. Peut-être que ce sera plus simple. Donc, je ne peux pas parier. Vous savez que je n'ai pas le droit de parier. Hein. Comme je désigne les arbitres, je n'ai pas le droit de parier. Qui va gagner le match, je ne sais pas. Je n'ai pas parlé à l'arbitre. On ne sait pas, par rapport aux fautes et la compréhension des nouvelles règles, je crois aussi. Oui, il y a eu, vous savez, les médias sont très gourmands. Et ils aiment chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Pour moi, c'est un épiphénomène, ce qui s'est passé le week-end dernier. Il y a eu une incompréhension entre les joueurs français et l'arbitre. Comme les joueurs français n'étaient pas dans un grand jour, il y avait beaucoup de domaines qui n'étaient pas maîtrisés. Et celui qui a été monté en épingle, ça a été l'arbitrage. Mais je suis assez confiant pour l'équipe, elle va réagir rapidement. Bon, bah,
Mais par contre, je ne sais pas qui va gagner. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup à tous pour votre attention, pour la qualité des questions. On est heureux d'avoir pu répondre à des commentaires de la plateforme. Les infos vont être très pratiques. Tout le monde va pouvoir aller prendre un cocktail. Vous avez pu voir qu'il y a des caméras qui se promènent également à droite à gauche. Donc, vous avez pu déjà échanger avec certains d'entre eux. Il s'agit de l'équipe d'Anews Expérience Client, donc qui est un média qui a de nombreux, quelques années maintenant, et qui depuis quelques temps développe effectivement notamment une plateforme, notamment en vidéo, avec des articles que vous pourrez régulièrement retrouver sur Internet, sur le site Anews. Et puis également, vous pourrez vous procurer cette fois-ci non pas des documents audiovisuels, mais une BD à laquelle Joël a contribué, et qui est effectivement la BD des rugbymen. Et du coup, Joël, si tu es d'accord de nous en dédicacer quelques-unes pour ceux qui voudront l'acheter. Joël n'y est pour rien, il ne touchera rien là-dessus. Mais voilà, si ça vous fait plaisir d'en offrir à vos entourages, ça vous permettra de découvrir les règles, notamment du rugby, et puis du coup de regarder France-Irlande avec beaucoup plus de sérénité. Et puis sinon, je remercie une fois plus Peck, ou plutôt je me fais le porte-voix de tous ceux qui ont donné des retours des plus sympathiques. Voilà, Peck est dans sa cage. C'est lui qui illustre, vous pourrez le voir. Effectivement, tout à l'heure au moment du cocktail, et je vous demanderai d'arriver à 14h avec une règle militaire, puisque effectivement le général Bello des Minières sera des nôtres pour nous parler des valeurs, notamment dans l'univers des armées. Voilà, soyez au rendez-vous.